Très cher abonné, merci beaucoup pour votre fidélité à Genor TV. L'émission d'aujourd'hui, c'est spécial Chute Mbombo. Nous sommes au Kasaï central. Je demande à tous nos téléspectateurs fidèles qui aiment cette émission de Kananga Tabala de partager massivement ces liens parce que nous allons parler Chute Mbombo. Nous allons parler Chute Mbombo. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné de Cordo Jean-Albert Mukoma, que vous connaissez, il est le coordonnateur de la dynamique Chute Mbombo, mouvement de pression. Mouvement de pression, ils étaient hier au Chute Mbombo avec la caméra de Genor TV pour célébrer l'anniversaire, le premier anniversaire de la pose de pierre qui a été effectuée par l'ancien gouverneur John Kabeya. Voilà, vous aurez toutes les images. C'était une ambiance terrible. Ils ont chanté, c'était une ambiance terrible. Et au courant de cette émission, vous aurez la vidéo des rencontres des gouverneurs Moïse Kambulu et l'équipe des Anser. C'est Anser maintenant qui est comme le maître d'ouvrage délégué. Maître d'ouvrage délégué Anser. Le marché a été ravi au Beseko par le chef de l'État lui-même. C'est Anser maintenant qui chapeaute ce projet-là de Chute Mbombo avec les entreprises qui vont nous construire ces chutes. Il y a Sassim. Mon invité avait évoqué cette question autrefois. Nous avions lancé le message ici, sur ce même plateau, pour demander au président de la République de prendre ces marchés et les confier à Anser. Et aujourd'hui, c'est une chose faite. Voilà pourquoi je vais encore le recevoir sur ce plateau pour que nous puissions encore aborder. Il a encore des choses à nous dire. Lui ne manque pas de choses. Suivez-nous jusqu'à la fin et partagez massivement les liens de cette émission. J'invite mon invité sur le plateau, le coordonnateur de la dynamique Chute Mbombo, Jean-Albert Mukoma. Comment vous allez, cher ingénieur? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes venu encore sur le plateau de Genor TV. C'est votre plateau traditionnel. C'est ici où nous faisons chaque fois la pression au gouvernement pour électrifier la ville de Kananga. Où en sommes-nous avec les projets? Vous étiez au Chute Mbombo hier. C'était quoi l'affaire? Kabeya n'est pas encore là. Maintenant, nous avons le gouverneur Moïse Kambulu que vous soutenez. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Vous faites la pression, pourquoi? Et pourtant, il y a déjà une équipe qui est déjà là pour l'exécution de ces projets-là. Mais c'est quoi le problème encore? Merci beaucoup. Mmh. Avant de répondre à votre question, merci beaucoup. J'ai dit premièrement merci à Genor TV, ouais. Qui nous a toujours accompagnés. Merci beaucoup. Qui a toujours accompagné la dynamique Chute Mbombo, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ma première fois de venir sur votre plateau. J'ai été ici une fois, ouais. Au moment que j'avais pleuré. Ouais. En disant quel péché que nous avons fait à notre ouais, président de la République ouais. Pour ne pas voir les projets d'un bombe. Effectivement. Alors, j'ai dit merci, j'ai dit à tous les téléspectateurs de Genor TV, ouais. Et j'ai dit aussi à la coordination, j'ai salué aussi en particulier la coordination de Dynamique Chute Mbombo et ouais. Tous les membres de la Dynamique, toute la population de notre ville de Kananga, particulièrement, généralement, de province Kasaï Central. Qui demeure dans l'obscurité, que nous sommes nés dans l'obscurité, ouais. Nous grandissons dans l'obscurité, dans l'obscurité, nous nous marions dans l'obscurité, nos enfants se naissent dans l'obscurité. Ouais. C'est, je le dis, malgré que nous sommes dans l'obscurité, donc vous combattez l'obscurité au Kasaï. Nous nous sommes là pour chasser les ténèbres, ouais, nous, ouais. Nous chassons les ténèbres. Alors, vu votre question, hier c'était le 18 août 2024. Je vais d'abord demander à notre téléspectateur de balancer ces images-là. Merci. Il faut qu'on balance d'abord les images, que merci. Les téléspectateurs regardent d'abord les images. Merci. Comme ça, nous allons revenir avec vous pour commenter merci. Sur ces images. Parce que nous devons merci. Avoir le même esprit oui. Avec ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Voilà. Merci. ISEM en sigle. À l'occasion d'un an depuis la pose de la première pierre et le non-démarrage des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo dans la province du Kasaï central. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférent, Excellence, Madame
la première ministre, chef du gouvernement. Excellence, monsieur le ministre national en charge de l'énergie. Excellence, monsieur le gouverneur du Kasaï central. À vous, toutes hommes et femmes, voués à cause de notre chère province, le Kasaï central. Il y a un an, jour pour jour, que la population centre-kassaïenne a assisté à la pose de la première pierre, marquant le début des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo, devant fournir de l'électricité aux habitants de la ville de Kananga et ses environs, et aussi contribuer au décollage socio-économique tant attendu par les populations locales. Mais contre toute attente, la pose de la première pierre s'est transformée en la pose de la première mort. Cette action saluée par tous les centres kassaïens le 18 août 2023 se révèle aujourd'hui le 18 août 2024 comme un complot contre la province du Kasaï central. Une action teintée de mépris, de sous-estimation de tout un peuple orchestré par les ennemis de la province à ce jour bien identifiés. Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférent, Excellence, madame la première ministre, chef du gouvernement, Excellence, monsieur le ministre national en charge de l'énergie, Excellence, monsieur le gouverneur du Kasaï central, à vous, hommes et femmes voués à la cause de notre chère province, le Kasaï central. Sous d'autres cieux, célébrer un an d'anniversaire, c'est célébrer la vie. Mais nous célébrons un an de honte et nous vous assurons que le centre kassaïen sont perplexes, même scandalisés par ce comportement démagogique qui a élu domicile dans notre province et ce, pour tous les projets sanitaires du Kasaï central. Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, puissiez-vous demander à ces personnes qui ont jeté l'opprobre sur tout un peuple de venir récupérer leurs deux conteneurs vides et qu'ils nous ont laissés sur le site de Mbombo, et cela pourra apaiser nos esprits. Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, nous fils et filles de la province du Kasaï central, réunis au sein d'une structure citoyenne dénommée Dynamique Site Mbombo, venons par la présence, le présent message, vous lancer un appel pathétique. Excellence, tournez aussi votre regard vers le Kasaï central. Construisez-nous la centrale hydroélectrique de Mbombo. Construisez-nous la route Kananga-Kalambambouji et cela nous suffit. Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférent, Excellence, madame la première ministre, chef du gouvernement, la dynamique Chite Mbombo qui porte ici la voix de toute la province du Kasaï central reste convaincue que vous envisagerez des solutions idoines pour le début et l'aboutissement heureux des travaux sus évoqués. La seconde mort n'étant pas admise, la dynamique Chite Mbombo promet de ne plus célébrer ce genre
d'anniversaire, car de passer des mois à dater de ces jours sans aucune solution pour les projets si haut cités, elle invitera tous les centres kassaïens à se prendre en charge. Unis comme un seul homme, nous disons oui au démarrage immédiat des travaux sur Chute Bombo. Oui au démarrage immédiat des travaux sur Chute Bombo. Non aux promesses fallacieuses. Non aux promesses fallacieuses. Non aux discours démagogiques. Non aux discours démagogiques. Plus jamais des aventures au Kassaï central. Plus jamais des aventures au Kassaï central. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mijima yakututonda mukananga. Mijima yakututonda mukananga. Twa kuchoka mijima. Twa kuchoka mijima. Tukajiba swansembo ya chibile cha mbombo. Tukajiba swansembo ya chibile cha mbombo. Ensemble pour l'électrification et le décollage socio-économique du Kassaï central. Ensemble pour l'électrification et le décollage socio-économique du Kassaï central. Fait à Kananga le 18 août 2024. Jean-Albert Mukoma, le coordonnateur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mukwadia Mbombo. Joyeux anniversaire, Mbotama Elamo. Mbotama Elamo. Mbotama Elamo, Nibanga ya Mbombo. Mbotama Elamo. Tile diwa dipe, tile diwa dipe, tile diwa dipe, diwa nyambo, tile diwa dipe. Merci beaucoup. Je crois vous avez suivi ces images-là. C'était quoi l'histoire? Hier, c'était l'anniversaire pour la pose de pierre pour première année
depuis que la pierre a été posée depuis, par l'ancien gouverneur. Par l'ancien gouverneur, ouais, il faut le signaler. John Kabeya, ouais, qui avait posé la pierre sur site d'Imbombo. C'était le 18 août 2023. Hier dimanche, c'était le 18 août 2024. Que la pierre posée par l'ancien gouverneur a totalisé une année. Mais sur les projets d'Imbombo, sur le site, réalisation zéro. Réalisation zéro. C'est pourquoi nous étions, nous, comme la population des Canards. Nous, Dynamique Chitembo, nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes la population des Canards. Mouvement citoyen. Nous sommes un mouvement citoyen, mouvement de pression qui lutte pour que les projets d'Imbombo débutent et les projets d'Imbombo finissent, nous donnent le courant dans notre vie des Canards, qui a longtemps demeuré dans l'obscurité. Parce que nous sommes fatigués avec l'obscurité. Nous ne voulons pas encore l'obscurité dans notre province. Alors, c'est la raison pour laquelle hier, nous étions descendus sur le site pour montrer à notre président de la République, montrer à la première ministre, Madame Chidite, montrer à notre gouverneur Joseph Moïse Kambulu, le nouveau gouverneur, de voir qu'il ne dorme pas. Ça fait une année perdue, une année perdue, que nous, que on avait posé la pierre, et jusqu'à présent, au moment que nous parlons, rien, c'est comme réalisation, c'est le projet de bombe. C'est-à-dire, cet anniversaire que nous sommes allés, parce que souvent l'anniversaire, quand on le célèbre, c'est pour célébrer la vie. Mais nous, nous sommes descendus sur le site pour célébrer la mort, pour célébrer la honte, l'opprobre de notre province, Kassa Central. Donc vous avez estimé de voir un gouverneur poser la pierre, sans avoir une précision, poser la pierre avec... mafia de beaucoup de gens, Beseko, tout ça. Je ne vais pas même revenir parce que quand je le cite, ça me fait mal de voir, non, pas même des Katangais. Si c'était des Katangais, on allait dire les Katangais ne nous aiment pas, n'aiment pas Kassa Central, les gens de Mbujima ne nous aiment pas, mais ce n'était pas des Katangais. Les gens qui étaient impliqués les dans des mafias, pour détruire cette province, nous mentir, nous faire une aventure vraie, c'était nos propres frères. Non, pas pour faire. Alors, c'est la raison pour laquelle nous étions descendus dans cet anniversaire pour montrer notre mécontentement. Ce n'était pas un anniversaire de la joie, de la mais c'était pour montrer notre mécontentement, pour montrer notre déception que nous étions déçus. On était vraiment, manipulé à n'importe quelle manière et nous faire une aventure vraie, nous amener une société fantôme, nous poser la pierre, nous amener les conteneurs vides sur le site, amener le ciment, amener le ferron et les prendre encore la nuit le même jour, prendre le gilet, porter nos frères et sœurs de Chibamboula pour dire que sont les gens de la société qui doivent exécuter les travaux des Modern Construction, une société fantôme, et pendant que c'était une aventure bien montée. Alors, malgré tout ce qu'il y a eu, c'est pourquoi nous, on n'a pas croisé les bras. Nous sommes descendus pour monter à la face du monde, disant que, voilà, nous avons consommé une année dans les néants, réalisation sur les projets néants. Parce que même le média que nous étions descendus avec, on était avec Génor TV là-bas, qui nous avait accompagnés, on était avec Edu Kassai et les chaînes locales. Et on a trouvé que, si les projets, si la, même la pierre qui a été posée, les herbes commencent à pousser, même monter même la pierre. Les conteneurs toujours vides. Les tôles même qui étaient encerclées par la société fantôme là, tombaient par terre. Les tôles même qui commencent à se volatiliser, entrent dans les eaux. Alors c'est ce qui nous a fait mal. C'est pourquoi nous sommes descendus pour dire, montrer à notre président, montrer à notre gouverneur, montrer à notre premier ministre, pour dire qu'est-ce que la Kassa Central a fait, qu'est-ce que nous, la population de Kassa Central, de Kananga, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça. Au premier mandat, nous avons voté notre président de la République massivement. Au premier mandat, à 100%. Deuxième mandat, la même chose. Notre président nous a dit, laissons les erreurs du passé. Et nous avons compris, c'est notre sang. Nous l'avons donné le deuxième mandat. Aujourd'hui, c'est une année déjà consommée. Pourquoi les projets, nos projets de Kananga, projets de courant de Mbombo, parce que Mbombo, c'est une solution palliative. On a mis Katende à côté, parce que Katende prend beaucoup d'années pour que ça finisse. C'est pourquoi on a dit, nous voulons, on va faire Katende, mais nous voulons aller d'abord par un raccourci, une solution palliative, c'est Mbombo. À notre grande surprise, Mbombo maintenant qui fait une année, 6 mois, ou 2 ans même, 2 ans 24 mois, ce n'est pas beaucoup par rapport à Katende. Alors,
on cherche à pointer d'abord un raccourci, mais on trouve qu'il y a encore une aventure qui continue, des blocages, toujours en blocage. C'est pourquoi nous sommes descendus, pour montrer notre mécontentement. C'est la raison pour laquelle nous étions là, Genève TV a deux images, il va balancer que la population de Kadan, niveau provincial, niveau national, à l'étranger, qu'il voit que voilà ce que nous vivons à Kananga. À Kananga. C'est le, voilà c'est une aventure que nous vivons à Kananga. Pas plus tard que les 7 de ce mois ici, les mois courants, oui. Les gouverneurs s'étaient entretenus avec l'équipe des nouveaux maîtres d'ouvrage, avec délégués, Anser, qui était chapeauté par EGA. Alors, à la sortie de l'entretien, le DG a fait une déclaration pour nous promettre le courant dans 2 ans. Il a dit, sans embâche, que dans 2 ans, la ville de Kananga sera électrifiée. Je vais demander à notre équipe technique de balancer cet extrait, comme ça nous allons revenir après pour faire des amples commentaires. D'accord. Merci beaucoup. À la recherche des solutions pour fournir du courant électrique à sa population, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a échangé avec la délégation d'Anser, Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Au sortir de l'audience, l'ingénieur Damien Tambilangane, directeur général adjoint, a révélé avoir annoncé à l'exécutif provincial la poursuite d'études de faisabilité par son agence sur les chutes Mombo, projet qui était jadis piloté par le bureau central de coordination BESECO. On a eu même un protocole d'accord avec le BESECO. Il y a eu certaines contraintes qui ont fait que les choses ne puissent pas avancer. Je voudrais rappeler peut-être une histoire, c'est que Anser avait initié ce qu'on appelle la synthèse des études sur le projet de l'aménagement hydroélectrique de Mbombo. Et cette synthèse avait pour objet de mobiliser des moyens financiers. Cette synthèse avait été distribuée à différentes personnalités, morales ou physiques, parmi lesquelles le BESECO. Le BESECO a pu, en premier temps, mettre la main sur un partenaire financier. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu beaucoup d'avancement. Donc le président de la République a pris la résolution définitive de pouvoir laisser Anser faire son travail. Et nous avons apprécié également l'accompagnement de l'autorité provinciale qui a bien reçu cette instruction de la présidente de la République. Ayant bénéficié de plusieurs projets d'électrification qui ont souvent accouché d'une souris, la ville de Kananga pourrait voir la première ampoule de chute en Mbombo être allumée dans 2 ans. Nous avons construit la centrale solaire de Kananga à côté de l'aéroport. On a terminé une centrale là-bas de 300 kW. Nous allons l'étendre à 1 MW pour desservir une partie de la population. Pour ce qui est du projet Mbombo, c'est un projet que nous prenons très très au sérieux. Nous pensons qu'au bout de 2 ans maximum, nous sommes censés avoir donné l'électricité en tout cas à la population de Kananga. Quand on dit Kananga, ça veut dire les 5 communes. D'une capacité de 12 MW, la centrale hydroélectrique de Mbombo sera cette fois-ci construite par un groupe de 3 entreprises chinoises. Je dis merci à notre équipe technique qui vient de balancer la vidéo. Le DGA nous a promis qu'en ayant 2 ans, nous aurons le courant au Kasaï central. En dehors d'être coordonnateur de la dynamique chez Mbombo, une grande dynamique qui fait pression. Vous êtes encore technicien, vous êtes ingénieur. Vous maîtrisez bien ce domaine-là. Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup. Nous, la dynamique chez Mbombo, nous ne sommes pas un prophète de malheur pour notre province. Voilà. Notre souhait est que ça marche, que ça commence, que ça arrête, ça ne puisse pas s'arrêter en cours. Que ça puisse arriver jusqu'à la fin. À la fin, c'est-à-dire nous donner le courant dans notre ville. Effectivement. Nous, la dynamique que nous avons actée, nous avons pris acte de tout ce que le nouveau maître d'ouvrage délégué qui est Anser nous a dit. Parce que l'ancien maître d'ouvrage, c'était BESECO qui nous a fait toute cette aventure que je vais dénumérer. Ouais. Alors, nous avons maintenant le nouveau maître d'ouvrage qui est mandaté par le chef de l'État, qui était représenté dernièrement au devant du gouverneur par le DGA, M. Damir. Nous ne nous acclamons pas pour Anser, mais nous nous avons acté. Nous, comme la population, nous allons accompagner les projets. Nous allons nous approprier les projets comme population. Nous approprier comment, accompagner comment, chercher la paix. Premièrement, parce que s'il n'y a pas la paix, le projet ne va pas marcher. Il ne va pas marcher. Chercher la paix dans notre province, chercher à mobiliser, sensibiliser la population pour s'approprier les projets, pour sensibiliser la population de Tshibamboula, pour que dans le village qu'il y ait quand même du paix, parce que là où on va faire les projets. Ouais, ouais. Après avoir acté, tout ce qu'Anser nous a dit,
Nous voulons du concret. On n'a plus besoin de discours. Nous sommes fatigués avec le discours. Vous n'avez pas besoin de discours. On n'a plus besoin des discours que nous avons appelés dans notre mémo, que nous avons lu, des discours démagogiques. Démagogique. On n'a plus besoin de ça. D'accord. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de promesses fallacieuses. On n'en a pas besoin. Si nous voulons avoir du concret. Nous voulons pratique. Pratique, c'est quoi? Le début des travaux et la fin. Nous produire le courant, d'accord. Nous donner le courant, c'est ce que nous avons besoin. Sur ce plateau. Après avoir acté ce que mes chers de Géa de je vais vous relancer. Oui. Dans une émission que nous avions faite avec vous sur ce plateau, oui. Je crois que c'était le premier numéro. C'était le premier numéro, ça c'est le deuxième numéro. Avec vous. Vous aviez lancé le message au président de la République. C'était une émission qui avait été beaucoup partagée par les téléspectateurs. Au président de la République, en lui demandant de confier les projets à l'ANSER, qui était le premier porteur du projet. Et de faire appel à la société Sassim Ndembujimaï. Oui, société chinoise. Je crois que le président de la République vous a écouté. Aujourd'hui, le projet a été confié à l'ANSER. C'est l'ANSER maintenant qui chapeaute les projets. Et parmi les entreprises qui vont exécuter les travaux, il y a l'entreprise que vous aviez préférée, en l'occurrence Sassim. Parce qu'il a déjà l'expérience, il a déjà fait partout, il a fait en Bujumaï et aussi partout au monde. Vous n'en êtes pas toujours content? Nous, la dynamique, parce que c'est que nous avons... Le chef de l'État vous a écouté, et le fait de donner les marchés, de confier les marchés à l'ANSER, et de faire appel à cette entreprise que vous lui avez recommandée, vous n'êtes pas vraiment satisfait? Oui, c'est si. Je réponds à cette question. Nous, jusqu'à présent, même le chef de l'État, comme il a écouté nos cris comme père, parce que c'était nous. La c'était dynamique, ici, c'était dans votre chaîne. Vous aviez lancé le message. Et qu'on avait dit quel péché que nous avons fait à notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que nous avons élu massivement. Et qui ne veut pas voir nos projets, qui ne veut pas s'impliquer. Et nous avions demandé la fois dernière son implication totale. Ouais. Et il a écouté comme père. Il a écouté nos cris. Mais ne disons pas que c'est suffisant. Il a écouté ce que nous avons demandé. D'accord. Il a pris le projet, il a retourné à l'ANSER, qui était le porteur des projets de bombes. Ouais. Parce que le projet de bombes, j'avais parlé la fois passée, c'était commencé avec Bakole, dans le temps, Codesco. Après, c'était failli. Mais il y a encore le monsieur de la régie des eaux ici. Bon, les gens passaient toujours là-bas. Tchongo. Même Tchongo aussi, c'est dans le même temps-là. Ah, dans le même temps-là. Okay. Après. On avait ici à Kanang, on avait cotisé les $1 dans le temps. C'était avec aboli parce qu'il y avait eu des tribalismes. Au Bakole n'est pas de Loulou à tout ça. Le tribalisme qui tue notre province. Il s'était découragé. Et l'argent qui était déjà cotisé par les gens, la population, s'était volatilisé dans la nature. Pourquoi? Parce qu'il s'était découragé de ce qu'on des gens parlotaient. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous avons plairé à notre. C'est lui qui a ramené le projet ici. Nous sommes la population de Kanang. Nous connaissons comment ça marche. Nous étions là. C'est lui qui a ramené le projet comme le nouveau porteur du projet. C'est Anser. C'est Anser qui a amené. Ouais. C'est Anser qui a amené ici. C'est Anser qui a amené encore l'un des Chinois de Sassim. De Sassim. Dans le temps qui avait amené à Kanang. Quand la dynamique de Mombo avait commencé, nous avons les images. Apporté un Chinois ici avec son interprète. Nous étions descendus avec lui sur le terrain pour dire que nous allons faire ces travaux. Demander $36 millions. Nous allons faire pendant 18 mois. Ça va vous produire 12 mégawatts. J'avais parlé la fois passée. Et c'était ici. C'était qui? C'était Anser. Mais quand nous avons vu, après un temps, avec la complicité de l'ancien gouverneur, il y a eu des choses, des copes, tout ça, et ça s'y mettait exclu du projet. On est allé nous prendre le projet, on a vu Besseko apparaître, comme maître d'ouvrage délégué, qui nous dit que je suis allé chercher un partenaire financier, qui nous dit que j'ai déjà pris la société qui va exécuter les travaux, qui était Modern Construction, qui n'a jamais fait ni les projets. C'est pourquoi nous, on avait de crier pour dire nous voulons Anser. Parce que tout ce que Besseko a promis, Besseko nous avait dit que pourquoi nous avons eu des problèmes avec Besseko, c'est parce que Besseko nous a menti. Nous dit qu'il y a les études qui sont en cours. Après deux mois, on demande, il y a les études. Après trois mois,
On demande, il y a de ce titre. Après 5 mois, on demande, il y a de ce titre. On a demandé au DG de Beseco. Les études ici, si Rimbombo, ça va prendre 5 ans. Il ne nous dit pas. C'est là où on a vu que c'était une aventure. C'était une aventure. Maintenant, c'est la raison pour laquelle on a décrié, on a demandé le secours des chefs d'État pour s'impliquer. Il est allé maintenant nous prendre la société. Il a reconfié les projets à l'ANSER. ANSER a pris le projet qui est maintenant le maître d'ouvrage délégué. Nous, nous avons dit ANSER, quand nous avons eu les documents depuis le 6 juin 2024, les documents confiés ANSER, toute possibilité, le pouvoir de chercher un partenaire financier, chercher l'entreprise qui doit exécuter les travaux. Nous, en dynamique, nous avons pris acte aussi. Et nous avons dit à l'ANSER, qui a déjà la charge de faire les projets de bombes, cherche-nous un partenaire financier, comme le chef de l'État vous a mandaté. L'entreprise sérieuse n'allait pas nous prendre une autre entreprise, prenons-nous SACIM, la société chinoise. C'était notre demande. Et ANSER aussi a dit, je ne vais pas blaguer, parce que si je vais blaguer, ces jeunes vont tomber sur moi. Alors il est allé chercher un partenaire financier qui est Arc-en-Ciel, une entreprise qui a financé le projet. Il a déjà donné tout l'argent. Donc l'argent des bombes n'est pas à chercher. Où en sommes-nous maintenant? N'est pas une partie. L'argent qu'est-ce déjà financé. Qu'est-ce qui est déjà fait? Est-ce qu'il y a déjà un plan? L'argent est déjà là, selon ce qu'ANSER nous a dit. L'argent est déjà là, donné par un partenaire financier qui est Arc-en-Ciel. La société qui doit exécuter les travaux, ANSER est allé prendre la société que nous avons choisie, SACIM, la société chinoise là. SACIM, c'est une société grande, mais à l'intérieur de SACIM, il y a aussi une société qui est chargée des centrales hydroélectriques. C'est la société ACCC qui ANSER est allé chercher, qui était venu ici, 4 Chinois qui étaient sur place depuis le 6 août passé. Et ANSER nous a amené tous ces gens. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons reçu la délégation. Nous sommes descendus avec la délégation. C'est-à-dire le chef de l'État avait écouté ce que nous l'avions demandé. Comme il a recontribué le marché à ANSER. Et jusqu'à présent, je le répète, nous n'acclamons pas pour ANSER. Quand est-ce que nous allons acclamer pour ANSER? C'est au moment que ANSER va nous donner du sourire. Au moment que ANSER va nous donner la première ampoule qui va s'allumer. Là, nous allons dire, ok, merci à l'ANSER. Nous allons prendre des fleurs, nous allons prendre des ramons, nous allons jeter à l'ANSER. Dans le cas où ANSER ne va pas nous donner du concret, ne va pas matérialiser avec ces sociétés qui a cherché les partenaires, qu'il a cherché, qui nous a dit qu'ils sont de sérieux, sans nous donner le courant, nous ne serons pas d'accord avec ANSER. C'est la raison pour laquelle, au moment que ANSER est allé nous chercher les gens, nous, la dynamique, nous avons pris acte. Nous avons pris langue avec chaque partie prenante du projet. Nous sommes descendus sur le site, c'était le 8 passé. ANSER nous a présenté le 4 Chinois qui étaient venus là. Il y avait un Chinois qui était Olivier, qui a parlé français. Et nous avons questionné toutes les questions. Les Chinois nous disent que nous allons faire ces projets de Mbombo avant 2026. Avant 2026. Vous aurez le courant déjà sur la ville. Les Chinois qui vont faire les barrages proprement dit, et à l'intérieur de nous, il y a encore un groupe que nous allons prendre qui va faire les réseaux. Les réseaux, c'est-à-dire les poteaux, et font les barrages proprement dit. Et aussi, il y a un groupe qui va faire les poteaux, placer les poteaux, placer les câbles, ce qu'on appelle les réseaux. C'est un autre groupe. Nous allons faire cela rapidement avec des groupes pour que ça marche rapidement. C'est-à-dire, dès que nous finissons, directement, on lance les courants. ANSER, nous avons questionné les Chinois. Il nous a dit ce que je dis sur le plateau. C'est les Chinois qui m'ont parlé. Et nous avons acté. Parce qu'il faut écouter d'abord. Il faut écouter. On ne va pas faire les bruits inutilement. Il faut d'abord écouter. Prendre les paroles, c'est à travers les paroles que nous allons maintenant vous tenir. Vous jugez selon ce que vous avez fait sortir. Comme on avait fait à Beseco. Nous avons pris acte de ce que le Chinois nous a dit. Avant 2026, nous aurons les courants sur la ville. Nous avons acté. Après, les Chinois qui vont exécuter les travaux, parce que ce n'est pas les Chinois qui vont faire les travaux de barrage, faire la route, faire les bases vides, non. Nous avons questionné aussi le cabinet de TID qu'on a recruté, qui est venu pour faire l'étude de faisabilité. C'est-à-dire quand on parle de... Donc, on n'a pas tenu compte des études faites par... Non, les études qui étaient faites par Beseco, ça c'était Beseco avec son messier là, le messier là, Pierre Loabeye. Pierre Loabeye, or, c'est lui qui est venu maintenant, c'est professeur Fouamba, c'est le professeur de Pierre Loabeye. Pierre Loabeye était son étudiant. Donc maintenant, c'est le professeur que nous avons, qui est venu aussi avec ces gens pour faire les études de faisabilité pendant 90 jours. Il a dit, malgré tout ce qui était eu comme études, moi j'ai compris maintenant les études. Il a demandé 3 mois. Même les Chinois nous ont dit, nous on ne va pas travailler ici, c'est papa, parce qu'il est un expert en faisant les études. Comme il nous a dit qu'il va nous faire dans 3 mois, quand il termine ses études, nous allons entrer pour commencer les travaux. C'est la raison pour laquelle
Nous avons parlé avec lui. Il nous a assuré dans 3 mois, il va finir les études. Mmh. Les 3 mois-là, nous avons déjà commencé à compter depuis le 10 août passé. Est-ce qu'il a déjà commencé avec les études? Il a déjà commencé. Il a déjà commencé depuis le même jour-là. Il était là avec ces gens, en train de faire. Nous avons oui, de ces mois. Oui. Il y a aussi un autre troisième groupe, c'est l'archi qui était venu pour la société aussi à part, qui va faire le barrage base vie, là où il y aura le bureau des travailleurs, là où il y aura des maisons de travail, parce que les gens vont travailler là-bas pendant 24 mois. Ouais. Ça dure 2 ans. Quelqu'un peut venir avec sa femme, peut venir avec ses enfants, ils doivent avoir une maison, avoir aussi les bureaux. Ça, c'est, nous avons questionné toutes les questions possibles à l'archi qui était venu là, qui représentait la société qui doit faire le base vie. Il faut aussi le zoning industriel, parc Agon. C'est parce qu'on va faire le base vie à côté. De l'autre côté, on va aussi faire le zoning industriel, c'est-à-dire le parc agro-industriel. Là, on va mettre des usines qui vont commencer à fabriquer des choses parce avec les courants des bombes. Nous avons aussi questionné. Il nous a dit, moi, je suis venu prendre mes études, je n'ai pas aussi faire. Moi, si je termine mes études dans 1 mois, je vais déjà commencer la construction. Nous avons aussi questionné la société qui était venue aussi, les experts qui étaient venus aussi pour faire les études pour la route. Parce que la route, là, on va exploiter en commençant d'entrer d'un concours vers le site. Ça fait 12 km. On a questionné. Ils ont dit, nous avons déjà pris le nécessaire. Nous partons déjà faire notre maguette pour venir déjà commencer. Dans 1 mois, nous pouvons revenir. On ne va pas attendre le professeur de l'Abeille. Non, on peut commencer avant. On a aussi parlé aussi avec les démineurs. Les démineurs sont des experts parce que sur le site des bombes, on ne peut pas commencer à travailler directement. Il y a des bombes partout là. Il faut qu'on puisse déminer, enlever les bombes. Vous voyez que c'est là où il y a les champs de tuyaux. Le champ de tuyaux, c'est là où on monte les militaires. Il y a un camp de militaires là-bas qui font la formation. Il faut déminer tout ça. Alors, il fallait enlever toutes ces histoires. Et tous ces gens nous ont assuré que dans 3 mois ici, ça va aller. Dès qu'on finir, ils vont terminer tout ça. Ils vont terminer les études et les tours dans 3 mois. Maintenant, les études de 3 mois pour commencer les travaux, c'est les Chinois. Maintenant, pour la route, ils disent si on termine dans 2 semaines, on commence. Pour les bases vie, s'ils terminent avant, ils commencent. Même le demi-nerf, il dit nous, nous pouvons faire ça même dans 1 mois, on termine, notre problème se termine. Donc, chacun travaille dans son camp. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons seulement acté. Maintenant, comme nous avons acté, on ne peut pas croiser les bras. Nous, la population, nous sommes là pour accompagner les projets, s'approprier du projet. Mais nous allons faire notre rôle, c'est-à-dire le contrôle des citoyens. Nous allons faire notre suivi et contrôle des citoyens. C'est la raison pour laquelle hier, vous nous avez vu descendre sur le site. Parce que ça fait une année. On n'a pas dit on croise les bras parce qu'Anser a pris le projet. Non, sinon Anser va dormir. Sinon Anser va laisser. Une question de curiosité. Qui vous subventionne? Les activités que vous faites là, qui subventionne ça? Merci beaucoup pour la question. Les gens qui vivent avec nous, tous les membres de coordination, les membres de Dynamique Chitembombo connaissent comment nous vivons, comment nous fonctionnons. Chaque fois que nous avons nos réunions, chaque membre apporte 6 et moins 1 000 francs. Ah d'accord, donc il y a des cotisations. Pour mettre dans notre caisse, nous faisons notre cotisation personnelle. Félicitations à tous les membres. On ne veut pas recourir derrière un politicien. Félicitations à tous les membres. Ou bien derrière le gouverneur, parce que si on va recourir derrière lui, ou bien derrière Hans, pas le courage de l'attaquer. Oui, sinon, il va nous utiliser comme ses chasseurs de chasse et on ne saura pas les contrôler. C'est la raison pour laquelle nous sommes autonomes. Nous-mêmes, l'impact que nous avons, ce que nous faisons, mon frère, c'est un sacrifice. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous aimons notre province. Est-ce que vous pouvez lancer le message à nos téléspectateurs? Nous avons des compatriotes qui sont en Europe, les partout, gens qui veulent le développement, qui nous appellent chaque fois pour nous déranger ici. Moi, je reçois beaucoup d'appels. Alors, je suis avec vous sur le plateau de Genov TV, dans l'émission Kananga Tabala. Si vous pouvez lancer le message à nos compatriotes qui sont en dehors du Kassai central, qui peuvent avoir la volonté de subventionner ce que vous faites. Le message que je lance à toute la population kanangaise, qui sont 6 places, niveau national, niveau international, qui aiment les courants dans notre province, c'est là qu'ils aiment les courants. Je ne dis pas les gens qui n'aiment pas les courants. Parce que quelqu'un qui n'aime pas les courants ne peut pas avoir la volonté que nous avons. Si nous sommes mis debout, ce que nous faisons, c'est un sacrifice. Nous avons des menaces, même des morts. Mais nous n'avons pas peur. Pourquoi? Parce que cette province, ce n'est pas une province qu'on nous a donnée, c'est notre province. Et le courant que nous réclamons, c'est un droit constitutionnel. L'article 48 de notre constitution nous garantit que nos élites doivent nous donner le courant, les routes, etc. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je demande à toute la population de notre ville de Kananga, province du Kassai central, les originaires de cette province, de nous venir en aide. Parce que nous-mêmes, nous soutenons. Tous les Kassaïens qui aiment le développement de cette province sont les membres de Dynamique Chitembombo. Oui, effectivement. Même les autorités là. Moi-même, j'en fais partie. Oui, vous-même, vous êtes partenaire. J'en fais partie. Vous êtes partenaire.
Votre accompagnement, c'est un soutien aussi. Ouais. Mmh. Et je demande à toute la population de notre ville de Kananga, les originaires de la ville de Kananga, même si vous êtes à l'étranger, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez avoir le code. Vous avez besoin de votre soutien moralement, votre idée que vous pouvez nous donner. Même financièrement, il ne faut pas mâcher les mots. Même même financièrement, nous avons besoin de ça. Matériellement. Matériellement. Parce que quand on utilise ça, on a besoin de motos. Pas être là seulement pour recommander. Nous avons besoin de votre soutien à tous les niveaux pour que nous qui vivons ici, nous voulons que notre province change. Porte une nouvelle robe. C'est-à-dire avoir quoi? Avoir à bord les courants. Les courants. Nous aimons Katende. Katende, c'est bien une grande Mais ça va prendre du temps. Mais Katende prend beaucoup de temps. Maintenant, une solution palliative, c'est Mbombo. Qu'on donne d'abord les courants de Mbombo en attendant d'autres projets. En Mbujimayi, ils ont quatre barrages. Il y a Tchal, il y a Movo, il y a Tubitubit, il y a Centrale Solaire. Ça fait quatre. Ah, Tchikapa, trois. Mais s'il y a quoi? Mais nous, à Kana, zéro. Non, il y a la Centrale Solaire. Ça, c'est pour l'aéroport qu'on a fait par an au moyen de Dev. Ça, c'est pour aller l'aéroport. Mais ce n'est pas pour toute la ville. Pour toute la ville. Ça, c'est pour l'aéroport. Maintenant, ça sera fait pour l'aéroport. Maintenant, nous avons besoin de pour toute la ville. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous voulons que le courant de Momo soit d'abord là, en attendant d'autres projets qui doivent suivre. D'accord. C'est la raison pour laquelle que nos frères nous viennent en aide, qui nous donnent leur intelligence, sagesse, pour que nous avançons. Moral, c'est ça ce que nous avons besoin. Merci beaucoup. Nous vous disons sincèrement merci, chers téléspectateurs, pour le temps que vous avez accordé à cette émission. Nous sommes là pour le développement du Kasaï central. Je reçois beaucoup d'appels des fils de ces terroirs qui me dérangent trop, qui m'appellent chaque jour. Pourquoi la ville n'est pas électrifiée? Pourquoi le Kasaï central, il n'y a pas d'entreprise? Pourquoi notre province ne se développe pas? Franck. J'ai préféré recevoir les coordonnateurs des mouvements de pression qui s'appellent Dynamique Chitimbombo, pour qu'avec lui, puissions aborder la question relative à l'électrification de notre ville de Kananga. Il a lancé un message. Il sollicite le soutien de votre part. Il ne faut pas être là seulement pour recommander, faites ça, non, allez là-bas, allez ce côté, non. Soyez là pour accompagner tous les jeunes qui sont sur place. Vous n'êtes pas ici, vous êtes loin. Vous n'êtes pas ici, vous êtes loin. Mais votre esprit est ici. Alors, vous devez accompagner les jeunes qui s'arrogent l'audace d'affronter ces dinosaures, ces politiciens, les attaquer, parler. Parce que l'émission que nous avions faite ici, avec lui, ça produit des résultats escomptés. Il avait lancé le message ici au chef de l'État en lui demandant de confier ses marchés ou ses projets de Chitimbombo à l'ANCER. Et la deuxième des choses, il avait demandé au chef de l'État de faire appel à l'entreprise Sassim. Et aujourd'hui, nous avons Anser, qui est comme maître d'ouvrage délégué, et nous avons Sassim, qui fait partie de ces consortiums, des entreprises, qui vont exécuter ces projets-là. Et donc, à mon humble avis, j'estime que le chef de l'État nous avait écoutés. Je suis vraiment content, je suis l'homme le plus heureux, et lui aussi, par le fait que le chef de l'État a écouté notre cri, et aujourd'hui nous avons Anser et Sassim au Chitimbombo accompagné cette dynamique. Moi je suis avec eux sur place, je vois comment ils se battent pour que nous ayons le courant au Kasaï central. Ils ont besoin de finances pour se déplacer, acheter même ces t-shirts. Vous avez vu dans cette vidéo là, ils ont des nouveaux t-shirts. Les mêmes cotisations. Voilà. Les cotisations personnelles. Et aujourd'hui, je l'ai reçu sur les plateaux. En tout cas, je vous demande d'accompagner cette dynamique. Ils sont vraiment sincères. Accompagnez-les. Geno TV vous dit sincèrement merci d'avoir répondu encore à notre invitation. Merci beaucoup. Les mots que je voulais ajouter. D'accord. Allez-y. Le courant que nous démenons, ce n'est pas notre intérêt. Ah ouais. C'est pour l'intérêt de toute la province Général. Du Kasaï central. Oui. Nous demandons l'implication de toute la population de Kananga. Ouais. Nous voulons leur soutien. Ce que nous allons faire, nous battons pour notre province. Les gens de Mbujimayi se battent pour les provinces, les Katanga se battent pour les provinces. Mais nous aussi, mettons-nous main dans la main. Et
faisons tout pour que le projet de Mbombo nous donne le courant. Ouais. C'est ça que je peux dire à toute la population. Et je dis merci à Jeuneur TV. Mm. Je dis merci à tous ceux-là qui vont nous voir, qui vont nous écouter. Ouais. Vraiment, nous avons besoin de leur soutien, pas même financier, même l'idée qu'ils pouvaient donner, qui peuvent nous aider à avancer. Mais nous avons besoin surtout, de ça. Surtout financier. Si vous ne voulez pas les dire, moi j'insiste, surtout financier, parce que moi on me fait beaucoup de bruit. Nous avons fait une émission avec vous ici. Oui. Mais vous étiez sujet de menaces. Oui. On vous a beaucoup menacé. Moi-même, on m'appelait. L'émission que j'ai faite ici, j'ai reçu beaucoup d'appels. Il y a des gens qui demandaient même votre numéro pour vous menacer. Mais il y a quand même quelques-uns qui ont demandé votre numéro pour vous accompagner. Je vous avais envoyé les numéros. Voilà, les messieurs m'appelaient tout ça. Alors, vous risquez. Nos frères doivent vous soutenir. Ils ne doivent pas être là seulement pour féliciter, encourager ou recommander. Non. Il faut qu'ils vous soutiennent. Oui. Sinon, vous serez manipulés par les politiciens. C'est pourquoi j'insiste sur le plan pékinien, soutenez la dynamique Chitimbombo. C'est une dynamique sérieuse au Kasaï central. Moi, je le confirme. En tout cas, merci beaucoup. Je dis merci à notre équipe technique qui était chapeautée par votre caméraman qui vous a toujours accompagné là-bas, Balance, qui vous accompagne dans toutes les activités de Chitimbombo. Je vois comme une demoiselle. Oui, il y a demoiselle là-bas. Mbalaï, elle aime trop provoquer mes invités ici. Voilà, Mbalaï. Je salue l'équipe technique et je salue tous les membres de Dynamique Chitimbombo. Merci beaucoup. Nous disons merci à Jeuneur TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok. Music.